Très chers internautes, fidèles abonnés à RDC Monde TV, na pesibi nombo te bisika no sobo zomi. Nazana esengo kokuta mi susu mukola lelo na 4e émission na bino et permettre à surtout ba bon na kosolola na maima tali mambe ya politique kati ya ngumba ya Congo démocratique. Mukola lelo nazali bongo na maître Joël Kitenge, moko ya bayimboka et tomesana elongo kosolola. Mais nous sommes allés pour les Kanakati en Boka Congo et le Monaye. Donc, sur la Bongo, ma Cambritani, nomination et puis remaniement à gouvernement et Kozoa Bongo et Kosalima. Dans quelques jours, à propos, il y a Vincent Biruta, ministre des Affaires étrangères en Boka Rwanda, annonce à FARDC et puis mission aux forces régionales et à Awa, dans Ngumba ya Congo démocratique, sans plus tarder, bonjour, maître Joël Kitenge. Bonjour, madame Sarah. Merci pour l'invitation. Je vous remercie de vous connaître à travers le monde de beauté. Abonnez à RDC Monde, vous commentez, vous partagez, vous abonnez massivement à la chaîne. Surtout, vous avez coupé ça, vous avez fait un commentaire, vous avez fait une beauté. Je suis Pauline Mumba, vous avez fait une beauté. Naba membre nyoso ya RDC Monde TV. RDC Monde ezali sanga ya ba congolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde ba diaspora ba sangani ba yena mosolo na bango po ete batonga mboka na bango lokola bikolo mosusu batonga oyo ya bango. Yambalo yo bande kona ngai. Ba diaspora ba décidé, diaspora ya Congo e décidé ezokita. Na minute oyo plus de 70 000 c'est quoi? Plus de 70 000 vendus dans Katia compte. Pourtant, on va faire un projet dans Bissot. Pour y avoir une contribution dans Bino Bande pour Bissot. Pourtant, ça les longo. Tout ça la makasi. Pourtant, ton gambo canabiso. N'a la famille n'a pas tout stop au nier de ces mondes. Pour n'aider de ces mondes, transparence est allée. Bolingo est allée. Sérieux est allée. RDC ces mondes, tout ça qu'on percé. Dans Katia Kana, nous sommes tous au compte. Tozo kota kakabuyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na ngai bati la bino. Apambola bino. Maître Joël Kitenge, mokola lelo na yambi en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais, oyozali, malgré tout que oza moko ya ba membre na kati ya UDPS, parti cher ya Kondo et Tshisekedi, mutuna na biso ezali boye. En tant que Congolais, oyozali. Et puis, membre ya UDPS, est-ce que ça serait vraiment nécessaire na étape où le Mboka a traversé, na crise aux accords qui passent, na est et à Congo démocratique, gouvernement en place de Mboka Mboka, pour passer na ba nomination et pour remaniement du gouvernement, ça m'a demandé. Bon, merci pour la question. Il faut dire que le président de la République, Yenazali, communauté générale, on va les remplacer par un autre Congolais. Puisque nul n'a le monopole à connaître qualité requise, il y a compétence dans tel ou autre domaine. Et Moutounio sont des gétos à l'autre. Le côté de maté, au Kokali Saeba qui n'est pas gétos à la bouée d'amour. Ceux qui parlent mal de la capacité à travailler à la police, qu'on essaie de remettre en place ce qui doit être mis en place, je crois, c'est pas. Ils ont encore un jour, ils ont encore une équipe globale. Donc, quand il y a 11 joueurs de départ, ils ont un terrain, vous appelez un sous-sous, ils ont réserve. Tant que nous avons un match, ils ont un match, ils ont un gamin, ou même ils ont gagné, ils ont besoin de conserver. Il y a au côté de casseur des gens, au côté de défenseur. Où tu peux changer les autres. Bah pour au côté de Bango. Dans la dernière minute. La dernière minute dans le gouvernement, le mandat est de 5 ans. De 5 ans, oui. 12 mois, c'est beaucoup. Le mandat est de 5 ans. De 5 ans. Et que les Congolais vont renouveler leur confiance. Vous êtes sûr? Exactement. Donc, selon vous. Non, pas selon les réalités. Selon les réalités, c'est ce que vous croyez ou bien selon vos avis, Nayo. Non. Mais ce n'est pas ce qui va se passer tant que vous avez une élection. Non, non. Écoute, oui. Quand on va aux élections, on a une élection que nous proposons. Tu poses un projet de société, tu as une idée. Une idée. Et
nous présentons aussi les caractères moraux. Il y a Motona, nous a porté, il y a Baïdéwa. Et depuis 4 ans, le président de la République, Félix Tshisekedi, a scotché la population congolaise. N'a pas aidé pour réalisation, puisque lui, ici, n'a pris des idées seulement. Il est en train de gérer. Dans la gestion, il y a des choses appréciables. Vous savez, la gratuité a ouvert la porte. Boni, 22 millions d'enfants ont bénéficié du chemin de l'école gratuit. Depuis 4 ans, 22 millions. Vous avez quoi mouké? Tu ne peux pas leur dire. Tu bandi kelasi yango depuis EPS 13 ans, surtout la période de la Tony Mama. Tu sali 2 ans, yango 3 ans. Grève à ta moko ya la na. Il y a une gratuité. Grève à ta moko tes atte. Oui, grève exacte. Maître Joël, il y a des choses. Classe Zobanda, grève exacte, oui. Mais il y a des conditions de vie. Oh, ben, na msusu wazo tanga. Na ba province, msusu eza bongote. Au moins, la gratuité. Oui, on a annoncé la gratuité. La gratuité fait partie de la constitution depuis Kala. Avec Félix, c'est comme il m'a matérialisé. Là, c'est vrai. Mais. Bana ba comme ebelé na ba classe ba salle de classe eux c'est que no ba msu soazo tanga na c'est ça il faut pas ignorer aussi. Écoutez, là vous êtes en train de parler à ba infrastructure scolaire par rapport il y a nombre d'enfants puisque ba bazala ki muke tant ba na futa. Oui, on vous écoute ben ba bala nda bazala ki muke puisque c'est muke ya bana ba boti bala ki na mo infra ya kutinda bango na classe. Pourquoi il est comme peuplé? Puisque la majeure boba est coton des abana à boba boti, bala qui n'est l'autre côté. Est-ce que dans un premier temps, les salles de classe n'ont pas encore été construites à la hauteur de Kokabolata, la première A, B, C, D? Nous avons étudié dans les collèges où toi là qui n'a pas classe 4, puisque bah, toutes nos salles de classe à la moyenne devraient se limiter à 25. À 25 classes. Et ceux qui ont commis 104 salles de classe, c'est là qui n'a pas A, B, C, D. Et chaque professeur dans la salle de classe n'a pour limiter dans ma école la catholique. Alors, dès lors, et Salami Bongo, c'est comme ça qu'on a mis en place le projet de 145 territoires. Dans lequel projet, on a 145 territoires. Dans ma école, il y a les hôpitaux, il y a des projets, même des universités, vous en connaissez, comme ça a été le cas dans, comme, toutes, les, dans toutes les autres périodes. Même du point de vue à salaire, il y a ma fonctionnaire. Le président de la République a augmenté depuis qu'il est là 38% du salaire de chaque fonctionnaire congolais. Je dis bien 38% net à payer. Vérifiez, vous êtes journaliste. On va vérifier. La place Golgotha, la fonction publique, c'est le cas faire étranger. Au le cas Mukolo, on a placé un bambin à Kalikote, dans Mbunda, dans la grève. Tout ça, il n'y a pas aucune grève dans la fonction publique. Récemment, il y a eu déclenchement à grève, il y a un médecin. Il y a un médecin. Pas puisque Bazala qui payait, il y a eu une prime, mécanisation, une amélioration à la condition de banque de travail. Savez-vous comment cette grève est finie? Puisque comment? Le gouvernement a répondu à leur cahier de charges et tout est en train de mise en œuvre. Oui. Donc, à ce niveau-là, nous avons un gouvernement responsable. Devant ces évidences, tout Congolais responsable et consciencié ne peut qu'accorder crédit et aucun coupona. Et puis, le que ça fait fondamental, tu sais qu'il y a za moana, il y a tata na maman otoyebi, aza congolais de père et de mère. Aza moana tata na maman oyoyebi. Donc ba oyo ba rozwata na deza ke ba tata na ba yeba nte ba ya. Ba o ba ya nte ba rozwata. Non, t'as voté yo té. Là c'est ça déjà message aux pesa. Pour nous croire, c'est bon que non, même si vos postes, vous enrôlez, vous faites d'abord. C'est comme ça parce qu'il y a un moment la carte. Parce qu'il y a seulement jusqu'à présent, il y a Félix Tshisekedi qui est candidat, Moïse Katumbi, il y a Denis Essanga, Oasanonsaki, Martin Fayulu et puis Matata Ponu, Docteur Mukwege aussi, il n'est pas Sanonsaki. Docteur Mukwege, Nani, candidat potentiel, c'est ça, non? Bon, on a évité une potentialité en Goboriel, là, quand on a dit. Est-ce que les gens politiques sont hôpitaliers? Oh. Ils ont dit, tu blousons, et tu es en train de consulter les femmes là pour faire la chirurgie. Vous trouvez ça que c'est ça la politique? On n'est pas un prix Nobel politique, c'est un prix Nobel de la paix. De la paix. Pas politique. Donc, à mon sens, la configuration politique chez nous,
aujourd'hui, tu as loin qu'un indépendant à battre bateau parce que la bassise politique. C'est un indépendant qui est lui. Aux ala la partie politique, aux ala militaire individu, quand tu te réveilles candidat indépendant et au rallier la cause de plusieurs dans cette configuration, nous sommes encore loin de ce basculement. Donc, et quand Mukwege parle, oui, on est tout de suite devant un Moutoumoko Mayen intellectuel, mais dans les évidences politiques, il est creux. Il ne connaît pas la politique. Ce n'est pas un politicien. Mukwege n'est pas un politicien. Lorsqu'un politicien parle au sentir de la sortie médiatique, quand il parle, on est face à juste un Moutoumoko Mayen. On dirait Moutoumoucha. On dirait Moutoumoucha. C'est un citoyen qui parle. Donc, si il a encore dans le niveau. Maître Joël Kitenge, donc si pour vous, Mukwege, Azan on a niveau en athée. Il y a Moïse Katoum qui est là, Denis Essanga. Moïse Katoum ne le met pas dans la liste. C'est un débat à Congolais véritable. Oyo, Bazan, Tatana, Maman. Bon, d'accord. On Yazali, na cadre, Yaba Nazem, Bango, Bamouyambono, Bakongolais naturalisé. Obaya, Maman Zambienne, Papa, Juif, mais oui, naturalisé Congolais. Yaza la catégorie. Mais on postulé. Attends, postulé, ça va pour remplir, pour chauffer Maman. Il va te belle, va qu'elle n'a l'église, mais va qu'elle n'y fait. Et c'est pour vous dire que votre mousse va qu'elle n'a c'est ni qu'à chauffer candidature. On l'écarte. On gagne l'église, on a sauvé au côté. Mais il y a Denis Essanga aussi. Denis Essanga, Moïse Faoulou. Azamor n'est politique. Denis Essanga, Azamor n'est politique. Yo, ce qui est négocié dans la liste, Mouto, parti politique, Naé, et Soukaka, na Louisa. Ce qui est élection, les autres, ça a eu trois élections législatives. Il y a 2006, oui. 2011, 2018. Et Zoua Kaka député. Député, moi. Siège en quoi, Pina Louise. Monisco, Maliba, Béhélié, double. Puisque maman a Félix Tshisekedi Fatshi Béton, président de la République, est originaire de Louise. Donc, est-ce que Baba Votaraï, Baza Fasia, Mouana Kazina, maman, comme président de la République, va voter là. Très cher internaute, fidèles abonnés. Mais il y a aussi ma tata Pone aussi, et Péazana. Anandambou, il y a Est, ma tata Pone au moins a travaillé. Vous savez pourquoi Bakanga qui m'a nexié dans le week-end? Bakanga qui est. Il allait faire le point de presse pour dire quoi? Pour démontrer, affirmer devant l'opinion à Lungwe et pas ma tata Pone. Expliquer des raisons, il y a ma découverte à ça là qui implication à ma tata pour la bateau M23. Et là, l'arrestation à Manix, il y a la matata pour y aller derrière. Donc, est-ce que mon monde est toujours fonctionné? Très cher internaute, abonné à RDC Monde TV, n'enseignez-vous vous commenter, vous partager, vous abonner massivement à la chaîne, surtout. Vous avez un petit message, vous avez un commentaire. Maître Joël Kitenge, autre que non, Félix Tshisekedi, ou bien kolandisama bilan oyo na ngambo ya IDPS boza ko établir que il est le seul candidat oyo a ko posté a ko bima na élection parce que selon vous l'opposant ou bien muto ko combattre ya zati parce que j'ai cité les noms ici, vous êtes en train de les écarter bango nyonso pour expliquer yo ata Jacob mbota bana ebele. Mais il y a des enfants Jacob Atana tribu Mateo. Aussi au cas comme la tribu de Joseph. Na 12 tribus d'Israël, vous au cas comme la tribu moi avec la tribu de Joseph. Exact très bien. C'est la question Sony. Exact. Mais a bien la basunga bango les la première minute. Donc ça va ton sous soyo. Atana ngeni na zala te. Atana bon match pour ngeni. Ben moi papa là on va se comprendre le monde aux Hollande maître Joël Zoko Bakaka tout monde bongo ministre des affaires étrangères rwandais Vincent Birunda où elle lui était le Congo le Rwanda et pour le Burundi à l'époque bazaki na une seule banque une seule monnaie et pour un seul président après balkanisation ba province c'est à Rwanda mi balé et annexé na Congo. Yango ben mboka ba ngabaye étant que congolais pour juriste que vous êtes. Les deux provinces c'est à Rwanda au balukaka na Congo. C'est quoi et puis pourquoi seulement Burundi et Fandi mais Rwanda ils ont continué na ba minance na. Alors, je crois que j'aime pas le temps. Yakopé ça ces fameux rwandais une leçon historique. Mais ba tunyo so ba ebi histoire, oui. Au Batangi, normalement,
l'époque coloniale et comment l'Afrique a été découverte, le fonctionnement des États africains avant la colonisation, la réalité des États africains pendant la colonisation, et c'est que l'Afrique est venue après, avant il y a indépendance. Retenez au moins que le Congo a été colonisé, ici Belgique a colonisé Kaka Mboka Moko. Mboka Moko. C'est la RDC Congo. Je regarde la caméra. Oui. L'Allemagne, pour l'histoire, je sais ce que je veux dire. L'Allemagne, pour l'histoire, a colonisé Rwanda, Burundi, Togo, un certain nombre de pays qui ont Kabola qui, lorsque à peur de guerre, na Europe, nous sommes dans la période avant la première, deuxième guerre mondiale, lorsque l'Allemagne a peur de guerre, na Europe, na Chitia, il y a régime nazi. Tant que Chitia royaume, il y a un régime nazi, et ça, il y a un a confié gestion na Belgique. Gestion Bamboka na. Il y a Bamboka qui était une colonie allemande. Oui. Allemande a confié ça au Kola. Wana Lupango Awa. Vazazan Lupango Awa. Yozwa le problème au ticket lié à Talelayo. Ça, c'est l'histoire et vous ne pouvez pas la modifier. Mais oui. Quand l'Allemagne dirigeait, Azala qui colonisait les deux États, quelle a été la frontière de ces deux États? Puisque déjà, quand l'Allemagne est en train de perdre, puisque Azala déjà était indépendant du Congo sous la direction Yaro à Belgique. C'est pas que le roi Belgique n'a qu'il a imposé. Et à ce moment-là, la Belgique a administré le Rwanda à la demande de l'Allemagne. De l'Allemagne. Dans ça, lorsque Bazako a annexé Rwanda, à la demande de l'Allemagne, oui. Ma frontière n'a pas son dengezawa nezala qui kakapongo. Quand on les a bon, dengezawa. Alors, je ne peux pas ici tomber dans cette rêve, mais moi, nous leur disons, ce qui va à Mibali, ce qui va à Batoua Kokoka, va à Kasikozoa, le Congo n'est pas à vendre, ni centimètre à Congo et Kokendena, Rwanda, jusqu'au dernier survivant congolais. Moutoua Koki Kokota, Toyoka Bisoloana. Mais si tel a été le cas, si ce que lui dit est le cas, pourquoi dans le corps, il y a le maire à Tangoubaye pour soutenir Afdel? Ils ont sollicité que Moussa Kabila appelle sa bango 3300 km carrés na Katia RDC Congo comme prime et accompagnement à bango pour baya kobenga na Mobutu. Puisque c'est votre territoire. Vous voulez récupérer. Comment signer un contrat pour que ba pesa bino yango? Puisque c'est comme quelque chose aux anangweza yangai. Nga na epora kozwa. Je ne sais pas si tu as mis sur le canal pour foutre un gars. Mais le coup de foutre un gars, à qui ils veulent faire comprendre cette bêtise? Et nani congolais, où il y a un instruit qui peut tomber en panneau dans le raisonnement de canivore Moutinouana. On est assez de discours. C'est à l'État, les femmes, c'est le gouvernement, de faire de tout ce qui a été dit. Et le président de la République a lobby. Toutes les mesures ont été déjà prises pour faire freiner cette aventure rwandaise et faire respecter l'autorité de l'État là où elle est compromise. Dès lors que vous avez causé la paix de Botia Maboko. Dès lors que vous avez causé la paix de Botia Maboko, vous avez causé. Donc, distraction, provocation à Rwanda, vous avez causé la juste la réalisation de ce que le chef de l'État a le baki. Maître Joël Kitenge, FARDC, armée de Bichot, et bien bon, on a annoncé reprise de Bitumba pour récupérer la cité de Kinshanga. Après 4 jours de jeux à Maboko, 1-23. 4 jours, il y a cité Wana et puis 8 mois. Oyo, 1-23, bazo occupé Bounangana. Pourquoi seulement attendre après ou attendre que non, 1-23 va récupérer l'ennemi Bazui, de boya quoi annoncer tout ça. Les habitants Namboka, c'est comme si nous ne pouvons pas, nous attendons seulement que Baye Babetibino, après boya quoi réagir Nassima. Madame, c'est une guerre. Nous ne sommes pas en train de parler d'un festival. Les festivals, ce n'est pas un concert. Les guerres, c'est une guerre qui est agressée. Vous comptez, depuis la prise de Bounagana, les autres sali, Mboula Mwambe. Oui. Sanza Mwambe. Sanza Mwambe. Et tu es venu à Mbele à Bounagana.
na lobi na on a 96 mois de septembre mois d'août rébellion a été ya afdel et bandi okamati mois d'août ou mois de d'octobre ya 96 tant bazu prise ya Bukavu oya kokoma na le 17 mai jour ba proclamer la république démocratique du Congo to fin ya Zaïre awa na Kinshasa esali sanza boni esali mbula moko nanda. La même armée rwandaise a pu marcher sur l'ensemble de la République démocratique du Congo à 8 mois. Basi bakangaki déjà nord, sud, Kivu, Kisangani, Maniema, Kasai. Bakomaki déjà dans les deux Kasai, il ne restait que le Katanga, Awa, na kokota ba Congo. C'est pour vous montrer que l'effort d'essai est efficace. Depuis 8 mois, oui. Ces gens-là n'arrivent pas à traverser 3 territoires sur les 6 territoires qui ont composé Nord-Kivu. Dans l'émission de Salaki Kala, il y a des différents territoires qui ont composé Nord-Kivu. Ce qui est le cas de Kichanga, Kichanga est un massif. Et Bunagana, il y a un Rutshuru. Côté Rumangabo, il y a un Nyiragongo. Il y a Walikale, il y a Beni Territoire, il y a Lubero. Qui sont encore sous la gestion, plus la ville de Beni, la ville de Butembo, la ville de Goma. Mmh. 8 mois après de l'offensive, on n'y arrive pas à contrôler ça. C'est que vous dites que les Congolais résistent et les Congolais font de leur mieux. Les Congolais résistent. Et là, comment qu'il faut Batouba noter. Namoko Naza rigoureux contre certaines actions des femmes. Mmh. Il faut y être. 2 345 000 km2. Kende kuzwa telefone nota la GPS na nombre ya basolo toza na yango c'est insuffisant. Le pays est tellement grand, la population est estimée à 100 millions d'habitants, cependant le Rwanda n'a que 14 millions d'habitants. 14 millions d'habitants et Kinshasa c'est yango moko eza na 11 millions d'habitants. Mm. Donc la ville de Kinshasa elle-même, la population qui a Kinshasa, c'est presque l'ensemble de la population rwandaise. Oui. Alors, imagine 100 millions d'habitants avec 150 militaires. 150 même militaires, on va au bazar à front. Non, non. Ou bien en réalité. S'il vous plaît, 150 000 militaires, 150 c'est le nombre de ceux qui composent l'armée. La plus de presque 50 millions, président Akeko faire former récemment, nous atteignons 200 000 militaires. C'est beaucoup, mais par rapport à la géographie Nabiso. Démographie na biso, géographie ça dit espace. Espace. Démographie ça dit ebéré à battre. Oui. Toi, na ba frontière est ben neuf. Jusqu'au point où, dans un pays, na biso na pays moko, nous pouvons avoir deux frontières na pays moko. Na Zambie, tous ça, trois parties de frontières qui nous amènent en Zambie. Na Angola, nous avons plus de 4 endroits où nous entrons en Angola. Na Bakongo, na Chikapa, na Kamakode. Il y a des endroits où vous êtes, vous entrez en Angola. Na Nord Kivu pour aller à l'Ouganda, au côté na Kasindo, au côté Ouganda, ok na Bunagana, au côté Ouganda. Nous avons des postes frontaliers énormes comptés par dizaines. C'est un défi. Et l'FARDC est en train de les relever. Le gouvernement de la République a ça qu'au sale. Ça ne tient pas. Majorité, ça ne tient pas par rapport à que notre nombre, il faut tout zala. Par rapport à 10 millions, comme vous venez de le dire. Non, j'ai commencé par féliciter, peu importe le nombre à 150. Attendez, peu importe le nombre à 150, oui. Wana, je t'explique que le Rwanda n'a pas arrivé à occuper le reste Nord-Kiv. Ça veut dire qu'il y a ce qui s'est fait malgré le nombre, wana, malgré le nombre de tous. Mais tous les bouna. Mais tous les bouna. D'accord, maître Joël Kitenge, tu as compris la soukamission d'Abisso, mais. La population s'interroge beaucoup plus dans ma cambouille, ma force régionale. À venir là-bas. Ah, parce que ça fait deux semaines au RDC. Les différentes analyses que nous faisons, que Dieu vous bénisse. À la prochaine.
D'accord, abonnez-vous sur RDC Monde, l'enseigne, vous commentez, vous partagez surtout. Si vous avez toujours branché la chaîne, vous avez dit Kibongo, Maître Joël Kitenge, vous avez dit sur la nomination, vous avez annoncé déjà à propos du ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda, Vincent Biruta, vous avez dit que vous avez dit que vous avez toujours branché la chaîne, vous avez dit que merci. Mes chers compatriotes, la section des forums des intellectuels congolais de l'étranger, section suisse, par ma personne, Dr Richard Mukunji, saisit cette occasion de présentation de vœux de nouvel an pour se joindre au Fils international sous la conduite du professeur Dr Joël Ngoy afin de présenter nos vœux de nouvel an aux Congolais tant de la diaspora que c'est de l'ensemble de la République démocratique du Congo, de l'Est, du Sud, du Centre et de l'Ouest du territoire national. À cet effet, nous renouvelons la confiance à la diaspora congolaise comme acteur de développement et de lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, pour contribuer de manière engagée et répondre à l'appel du président de la République lancé au premier forum de la diaspora congolaise organisé à Kinshasa en novembre 2021. Cet engagement répondra sans nul doute aux défis de mobilisation, de canalisation et de capitalisation des ressources financières et expertise de la diaspora. Nos vœux s'adressent de prime abord au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux forces armées de la République démocratique du Congo, au gouvernement national, pour la continuation dans la durée de la capitalisation du succès diplomatique appuyé par une excellente expertise obtenue dans la patience et l'abnégation. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuples congolais, que 2023 soit une année de vigilance, de veille patriotique, et des participations citoyennes aux échéances électorales à tous les niveaux, pour le renouvellement des animateurs politiques, gage de la stabilité et de la prospérité nationale. En ce début d'année, nous présentons également nos vœux aux personnes privées de leur liberté sur l'ensemble du territoire national. Aussi que les élèves, les étudiants ainsi que les enseignants formateurs soient réconfortés, reconnus et soutenus pour éclairer la vision patriotique et consciente de chacun pour le relèvement de notre pays. Aux personnes âgées, aux retraités, que nous puissions prendre l'engagement de tenir les flambeaux de la relève pour la renaissance de la nation RD congolaise. Aux peuples des pays voisins, nous adressons nos vœux pour une paix durable et harmonieuse, gage d'une cohabitation pacifique pour que nous puissions concrétiser nos efforts au développement de nos pays respectifs. Les fils suisses vous souhaitent pour cette année 2023 de concrétiser tous des grands projets et de trouver encore et toujours de nouvelles inspirations pour le devenir de notre cher et beau pays. Chers compatriotes, vaillants et résilients peuple congolais, que vos vœux les plus chers se réalisent, nous vous souhaitons une heureuse année pleine de joie et de sérénité. Que vive la nation congolaise.